Alors, c'est un petit peu difficile de répondre précisément parce que vous avez des impératifs commerciaux, vous avez des impératifs qui sont liés au contexte économique général, qui influent beaucoup sur l'attitude du consommateur de vin. Après, je dirais, pour faire quelques généralités, j'ai la sensation que le public belge est très connaisseur de vin, en fait, en moyenne, par rapport à la moyenne générale. Des populations, y compris des populations qui viennent de pays viticoles comme la France ou l'Italie, etc., etc. Vous n'avez pas nécessairement une connaissance plus grande du vin. Vous vous rendez compte que la curiosité est presque plus importante puisque le pays n'est pas un gros producteur de vin et par conséquent, l'intérêt des choses qui viennent de l'extérieur, je dirais le côté exotique finalement du produit qui vient d'ailleurs, encourage l'apprentissage et la connaissance. Alors que quand vous êtes dans un pays très habitué au vin, c'est le cas de la France par exemple, on a l'impression de savoir assez vite puisqu'on a été baigné dedans depuis longtemps et finalement on a tendance à pas forcément creuser plus. Évidemment, c'est des généralités puisque vous avez des grands amateurs, des grands spécialistes de vin dans tous les pays du monde, dans toutes les régions.